bang, bang. Hola, c'est moi et ce n'est pas le professeur Yaoi. Bienvenue dans la Bibli Yaoi, le complément de l'émission Yaoi Files, au cours de laquelle je présenterai des ouvrages liés au Yaoi. Pour cette première édition de la Bibli Yaoi, j'avais envie de vous présenter des Yaoi avec de beaux dessins. Ils ont un atout esthétique notable. Pour la sélection, j'ai dû mettre certains titres de côté, parce que le yaoi c'est souvent du porn, mais c'est souvent du très beau porn. Alors j'adore Ayano Yamane, je trouve que son trait est absolument magnifique, il y a plein de trucs méga limites dans ce que j'ai lu d'elle, mais le trait en tout cas est superbe. Moto Hajo, dont les fondatrices, juste... Oh, trop beau, trop beau. J'adore le trait de Kazusa Takashima, le tramage de Aiki Aiki dans ses travaux avec Taishi Zou, et juste... magnifique! Rito Takarai pose toujours de superbes ambiances, il y a un tas de qualités esthétiques dans les yaoi, on l'oublie souvent. Surtout que les auteurs de yaoi dans le sens boys love se construisent souvent dans leur coin, du côté des doujins, libérés d'une certaine standardisation des styles. Et donc si on achète du boys love, on côtoie des styles hyper variés. Après il y a aussi des auteurs qui dessinent comme des pieds, et qui en plus ont des scénarios de merde. Et il y a aussi celles qui ont des très bons scénarios, un tas de qualités, et des dessins... C'est le syndrome Isayama. Toko kawaii. Mais je vais quand même vous présenter 5 titres en qualité esthétique renversante. Alors on va commencer par le yaoi que je conseille pour initier tous ceux qui, ceci dit, qui n'ont pas peur du porn, mais qui ont des a priori sur le genre du yaoi, qui vont dire « Ah, y a pas de scénario » ou « Ah, les dessins sont moches !» In this world. Voilà, y a du porn, mais... les dessins sont moches. Non. Y a pas de scénario. Non. Voilà. La dessinatrice Jun Togai, à la base, c'est une cover artiste de comics, donc chinoise, mais qui bossait aux États-Unis. Et je la connaissais avant de découvrir son travail sur In This World, parce que je suis fan du comics Runaways. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Les poursuivis, les fugueurs. Je sais plus. Y a un nom. Y a un nom un peu comme ça. Je vous le mettrai, en fait. Je mettrai un petit sous-titre. Oui, donc... Et elle a fait des superbes couvertures pour ce comics. Je vais le choper, tiens, parce qu'il est juste en dessous. Là, il me semble que c'est elle. On évite le spot. Là, là. Tu pleures, c'est trop beau, c'est si magnifique. Ah, celle-là. Souvent, avec les comics, je suis assez déçue par le dessin qui se trouve dans le tome quand tu vois les covers, parce que les cover artistes sont tellement talentueux. Enfin bref, revenons à In This World. Je vais pas développer sur les qualités scénaristiques de la bête. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, j'ai interviewé les deux auteurs à Japan Expo l'an dernier pour le site Mademoiselle, lié en description. Donc Jun Togai justement m'avait expliqué qu'elle prenait bien son pied en faisant de la BD au lieu de faire de la cover de comics parce qu'elle se sentait un peu limitée dans ce job-là. Et donc là, eh bien, on sent qu'elle s'éclate. Je vais essayer de vous trouver une page qui soit pas une page de cul sur les expressions. C'est très très précis, le travail est méga propre, c'est bien découpé, c'est clair, c'est de la belle ouvrage. Oui donc, In This World, c'est de la belle ouvrage, en grand format c'est encore mieux. Je sais pas où tu les trouves si tu les achètes pas en convention comme ça. Et donc c'est chez Taifu, juste pour rester sur mes éditions grand format, parce que je possède des éditions grand format. J'aime le porn en grand, j'aime le porn en panorama. Je vais vous parler de... Maiden Rose, encore de Tom, de Inaria Fusanosuke. En France, c'est publié chez Taifu dans des éditions plus petites. Là, j'ai chopé une édition américaine, je pense. En tout cas, c'est en anglais. Parce que le trait est trop beau, je le voulais en grand format. Voilà, tout bêtement. Si tu prends une page au pif, tu te rends compte que c'est du yaoi, mais en fait, y a aussi une grosse intrigue. C'est politique, c'est militaire, donc si tu as le kink des uniformes, voilà, tu auras de quoi manger ou de quoi te branler. Je suis peut-être un petit peu crue, pardon, c'est juste que j'ai du smut sous les yeux, là c'est difficile de rester sobre. Bref, cet auteur a un trait incroyable, c'est dessiné comme un seinen en fait, je dirais, ce serait proche de ça. Je suis pas sûre, mais en tous les cas, on m'a dit plusieurs fois, et je l'ai lu plusieurs fois, que... elle a été assistante de Hiromu Arakawa, donc qui a bossé notamment sur FMA en ce moment. Il y a Arslan, Dell qui sort. En fait, tu vois aux couvertures, grosse valeur ajoutée. Je dirais que c'est comme In This World. Pour ceux qui s'intéresseraient au yaoi, qui critiqueraient en disant « il n'y a pas d'intrigue, le dessin est moche »,
faut lire ça. Sauf que, comme pour une sorte, faut pas être opposé au porn. Et, comment dire, il y a du viol, quoi. Il y a du viol aussi dans Indie Sword, mais c'est pas... C'est érotisé dans Indie Sword, mais c'est pas glorifié, c'est pas romantisé. Dans Maiden Rose, il y a peut-être un peu de ça. Après, le souci, c'est que le manga est en stand-by. Et donc, on sait pas, peut-être que l'intrigue allait retourner ça autrement. Moi, j'ai surtout l'impression que c'est une espèce d'histoire de domination... de vraie domination, de vrai abus romantisé, comme on en voit des centaines. Et c'est pas ce que j'aime, mais... Un tas d'autres qualités indéniables dans ce titre, ne serait-ce que le graphisme, puisque j'en parle. Voilà, donc... Pour ne pas parler que des mangas de Taifu, je vais parler de Dans un coin des ciels nocturnes de Nojiko Hayakawa. Chut, ça tombe. Oh là là, équilibre instable. Ce qui m'a surtout impressionné dans ce titre, c'est vraiment le découpage. Je l'ai trouvé absolument remarquable. Le trait est peut-être moins original, même s'il y a un ancrage extrêmement fin. Ils doivent utiliser ces espèces de plumes méga fines. J'avais vu un reportage, c'est assez impressionnant. Quelle précision. C'est japonais. Donc oui, le découpage est sublime. Comment expliquer ça? Pour en parler de façon un petit peu poétique et évasive. Je suis une adepte de Scott McCloud. J'ai adoré son bouquin « L'art invisible et faire de la bande dessinée ». Et d'en faire de la bande dessinée, et peut-être même l'art invisible, je pense, même si je connais plus faire de la bande dessinée, il évoquait le fait d'élargir la BD à d'autres sens par des stimuli graphiques. Cette idée m'avait passionnée. Ouais, donc, dans ce manga, je trouve qu'on entend les silences. C'est extrêmement contemplatif, et ouais, ce découpage éthéré, quelquefois c'est très cinématographique aussi, on a un mouvement qui va être découpé en plein de petites images. C'est très 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 étudié, c'est ciselé, super super titre à ce titre là. titre, je fais des jeux de mots, je ne fais pas exprès, c'est peut-être parce que il est tard et que je suis fatiguée. Il faut que j'arrête de dire ça, les gens vont vraiment s'inquiéter pour moi. Et il n'y a pas de porn. Donc si vous n'aimez pas le porn, vous pouvez lire. Dans un coin de ciel nocturne, donc collection Hana Yaoi, collection Hana, c'est ce qui est écrit là, et donc c'est dans le catalogue de Boys Love. Pour parler un peu de notre belle contrée de France, j'avais envie de parler fanzine, parce qu'on a une très 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 belle production fanzine, notamment Yaoi en France. Je le sais, je fais des achats compulsifs de fanzine depuis des années, c'est pas des achats compulsifs d'ailleurs, c'est du mécénat. Les Contes du Lac et des Quatre Princes. Ça, c'est de la bête de fanzine, tu le vois tout de suite, la couverture est trop belle. C'est de Frozen Garden et Sina. C'est un recueil d'histoires courtes, même si les personnages s'entrecroisent. Ce sont des princes, les scénarios, c'est des contes, quoi. Basiquement, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais c'est toute... là, c'est des pages en noir et blanc, mais le travail graphique est remarquable. Des aquarelles, c'est juste sublime. Vraiment, si vous le croisez en convention, vous n'hésitez pas. J'adore ce titre, je le recommande à tout le monde, mangez-en. Pour finir, il fallait absolument que je parle de Azumiko Nakamura avec Crazy Affair. C'est son seul titre traduit en français parce que il a fait un flop. C'est bien dommage, achetez-le tout de suite. Je sais que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter du yaoi, mais ce serait dommage qu'on passe à côté d'une auteure pareille. Comment décrire son trait? Moi, tout de suite, ça m'a fait penser à ce que Clamp peut faire de plus extrême, notamment dans XXXolic ou Crossolic. Je sais jamais comment ça se prononce. C'est très art nouveau, c'est très sinueux, des lignes très épurées mais extrêmement précises. Ça fait penser, je pense, les mêmes inspirations que pour Clamp, à Mucha et à Aubrey Beardsley. Je vous mets des petites images histoire que vous voyez un peu le style. C'est absolument remarquable. En plus, c'est une histoire qui est franchement très très drôle, très très sympa, complètement légère et abracadabrantesque, mais avec un rythme pour l'humour et les gags à tomber par terre, franchement. Tu es plié en deux et tu es très très frustré parce que le running gag de la première histoire consiste à interrompre les deux personnages avant du smut. Smut un petit peu... Dubcon, quoi. Enfin, je le dirai dans l'émission de Yaoi Files qui sera consacrée à la question du consentement. Je vais le dire ici tout de suite puisque c'est la première Bibli Yaoi que je vais sortir. Ne blâme pas le Yaoi pour la culture du viol. La culture du viol, elle est partout.
dis pas que dans ce cas-là, il faut le supporter si on supporte pas sous prétexte que voilà. Mais après, si vous ne supportez pas, c'est pour ça que je vous préviens, parce que je sais que certaines personnes ne supportent pas le dubcon, ne supportent pas le viol, et je trouve dommage qu'on ne le stipule pas dans les publications de Boys Love en France, parce que ça se fait dans les fanfics, dans les fanfictions. Mais le fait qu'on soit prévenu avant de lire un texte qu'il y aura du viol, ça change totalement la façon dont on l'aborde, et c'est beaucoup plus safe. Donc ouais, crazy à faire. Un style très particulier, très expressif, toujours très très dynamique, peut-être un peu trop spécial pour convaincre le public à première vue, mais vraiment c'est dommage de passer à côté de ce titre. Peut-être la couverture, mais les gens, vous pouvez feuilleter, c'est pas comme les éditions Azuka, ils emballent pas, donc vous pouvez regarder à l'intérieur. Ouais, lisez Azumiko Nakamura, c'est très bien. Et je vais vous mettre un lien en description de Yaoi Pulse, qui fait la chaîne YouTube de Yaoi Pulse, qui fait des chroniques et qui a donc chroniqué récemment le film Dokyosei, qui est adapté d'un de ses mangas qui lui n'est pas traduit, donc vous pouvez regarder la scan trad pour le moment. Voilà, c'est pas bien, mais en attendant. Et c'est donc sur ce titre remarquable que s'achève cette première Bibli Yaoi. À bientôt pour un prochain Yaoi File, qui sera accompagné de sa petite Bibli Yaoi également. Et cette Bibli Yaoi portera sur les bouquins de référence que j'ai utilisés pour écrire les Yaoi Files. Ce sera peut-être un petit peu moins excitant, mais j'essaierai de vous y intéresser.